Hola, comment vous? Nous en forme. Bienvenue dans l'autre vidéo. Dans la vidéo, ça, moi, j'ai essayé de répondre bien rapide à quelques monde qui posent une question sur le casier judiciaire en Haïti. Ok, ça nous est les étudiants de antecedentes criminales en portugais. Pour moi qui voulait faire procès de naturalisation. Ok, ma essayé de répondre nous bien rapide. Première question que je posais, c'est concernant est-ce que casier judiciaire, ça, les supposé, c'est pas des CPJ. Donc, mes amis, ma essayé de répondre nous bien rapide. Donc, exemple, maintenant. Là que moi j'ai fait procès pendant c'était en 2019 que moi j'ai fait casier judiciaire là c'était Haïti moi j'ai fait pendant que moi j'étais en voyage mais malheureusement m'a pas fait en pile d'en bas donc le fait que m'a pas fait en pile temps moi j'ai fait en façon pour que me quitter en grain en bas avait dit un casier pour te légaliser pour moi. OK, donc il a fini légaliser et puis après ça revoit le point. Mais est-ce que c'est casier judiciaire des CPJ? Non, c'est pas de casier judiciaire des CPJ. Sous quelle possibilité pour faire par des CPJ? Ótimo, ça veut dire parfait. Mais si vous n'avez pas de chance pour faire pas de CPJ, vous êtes capable de faire une dans la zone côte de sortie. Tant que moi-même, je suis en province, Tigouave, ça veut dire que je fais une Tigouave. Non, ça veut dire que si je ne trouve pas un tribunal de paix, si je fais une erreur, je ne pardonne pas. Vous pouvez faire là, ok? De là étant, vous avez bien pour prendre même document ça. Si vous n'avez pas de chance pour faire un bagage qui est simple, vous avez un monde qui tâche pour faire pour vous. Il y a un monde qui est capable de faire un monde. Payer un monde pour faire pour lui, ça qui arrive tout second fond, mais capable d'aider, ou capable faire mon faire pour. Qu'on a comment lire? Ou bien pour que ou prend document ça, d'abord, ou supposé légaliser le ministre justice Haïti, et deuxième bagage ou bien pour légaliser le affaire étrangère, ok? Affaire étrangère Haïti. Et puis après ça, dernier qui plus important, c'est lui supposé gain son ambassade Brésil. Moi-même, pour ce moment, je prends plus le temps à cause de son ambassade Brésil qui n'a pas de gain. Et tout ça, donc, je suis obligé de revoir et faire encore, ok? Mais ce n'est pas jamais des CPJ. Ça veut dire, quand je dis que c'est là, je ne sais pas des CPJ pour capable et légaliser, ok? Alors, est-ce que forcément, je vais un racketeur ou bien un monde pour faire ça pour moi? Ça va le dépendre. Nous, on est en Haïti, dans le pays, nous, malheureusement, tout ce que vous besoin, si vous avez besoin rapide, il faut que vous dépensez un petit l'argent, ok? Donc, si vous avez tant de vent, par exemple, je vais partir dans le processus là en 2023, ou bien en fin d'année ça, j'ai une possibilité pour capable de faire un monde pour moi sans que je pas besoin et dépenser quoi bah raqueter. Ça veut dire ou capable commencer bien c'est par exemple sur mon Haïti que vous faites confiance ou voyez elle fait casier judiciaire dans ville autorité ou bien tout il capable Port-au-Prince c'est pas forcément dans ville autorité parce que Port-au-Prince comme si tout bah c'est tout tribunal yo lié à cause capitale là lui-même lui puissant donc on va faire au faire pour et puis on légaliser dans toute instance ça que me dit et puis pas oublier pas ambassade Brésil là et pas ambassade Brésil là c'est lui même mon qui dit qui vit difficile là actuellement là comment capable légaliser casier judiciaire dans l'ambassade Brésil là l'offre une passe dans toute instance Haïti yo ou gagne pour voyer par DHL dans l'ambassade Brésil là ça veut dire on monte tâche là pour le reste faire pour parce que le fait qu'au Brésil on voit mon nan faire pour pas et DHL là voyer dans DHL là tout payer ni aller et tout et surtout il supposé payer une tâche de $20 américains dans compte ambassade Brésil là OK la payer. Et de là étant, vous êtes capable de gérer ça sans problème. Et normalement, quand vous prenez de 10 à 15 jours pour vous voyer le pour. Mais il y a des gens qui sont capables de gérer plus rapide, tout ça dépend du moment. Donc, ça veut dire que pour casier judiciaire, vous êtes capable de mettre environ un mois à un mois et demi pour capable faire processus ça, pour capable de gérer le casier judiciaire sans problème. Okay? Donc, l'autre question que nous avons, nous sommes capables de toujours faire dans les commentaires, mes amis. Donc, je vais bien rapide. Pour être capable de retirer tout ça pour nous d'une façon qui est très rapide, tout ça, ok? Pas oublier, abonnez-vous à la chaîne hein, et n'apportez plus de vidéos pour nous. Si vous avez des doutes, posez en bas commentez vidéo ça, ok? Ciao!